Ok, c'est reparti. On va tout exploser aujourd'hui. C'est décidé. C'est comme ça et pas autrement. Sûr que sauter soit la meilleure idée là. Peut-être qu'il faut encore marcher.
toujours pas chopé le truc pour faire les trois coups rapidement sur cette machine. Allez, allez. Ok, merci de tout ça. Ça, ce serait plus court, plus risqué, mais plus court. Ouais, ça c'était pas terrible par contre. Allez, viens là, petit cochon. Et voilà, parfait. Un cochon. Gagner un peu de temps, ça c'est normal. Vu que je sais que les deux premiers splits sur mon PB, ils sont dégueulasses. Mais après ça va mieux. Je suis pas sûr que ça passe. J'ai peur. Alors là, tu peux pas de troll. Voilà. Eh, je crois que c'est mon PB que là, pareil, j'ai. Je me peux merdoyer sur ce passage. Donc ça se fout, il y a un peu de temps à gratter ici aussi. On verra bien.
Ah bah non. Time save possible, 2 secondes quelques. C'est peut-être ça. Ça me paraît pas. De faire plus rapide ça. Clairement. Ok, cool.
Alors ici je sais que à chaque fois je joue trop safe. C'est déjà mieux. J'ai cru que je l'avais pas. Oh là là, ça glotte de partout. Après, ces petits glottes qui font même pas gagner une seconde, donc. Je préférerais avoir un gros glotte de 30 secondes plutôt que plein de petits. Mais bon, on peut faire difficile. Je sais qu'il y en a un de glottes à un moment donné à avoir. De gros. Voilà, parfait. Voilà, passage au clavier. Passage au clavier. Qu'est-ce que je viens de faire? Alors, passage délicat. Ah, c'est à chier. C'est à chier. Merde.
furtif comme ça. Je crois que c'est pareil en fait. Il faut sauter de façon pareille. Parce que le boost il y est encore. Le boost au saut. Alors, petit passage clavier. Voilà. Bon, pour l'instant, tout est parfait ou quasi parfait. Là on attend et là on fait le troisième boost. Voilà. Ah, je suis perdu. Ok. Je savais pas qu'on pouvait casser le mur aussi aussi haut, même quand il n'y a pas de fissure. En fait, ça donne un peu l'impression de courir comme une poule, le fait qu'il se... la tête qui l'avance et qui recule à chaque fois. C'est un peu déstabilisant. De comparer son perso à une poule. Petit saut ici. Et petit saut là. Voilà.
pas certain que ça fasse gagner du temps, mais bon. Pour l'instant, on se contentera de ça. Je sais pas s'il faut faire un premier boost d'abord là, avant ou pas. Bon. Ça fait être une catastrophe, mais ça l'a pas été. Là, j'ai reculé un peu. Et voilà. J'ai bien repris mon souffle là. Ouais. Alors. Ah. Oh oui. Ah, je pensais pas le réussir en run celui-là. En plus, à côté de ça, j'ai fait un split correct. Ouf!
Ok, on panique pas, on panique pas. Ce n'est que 53 secondes de gagner, c'est rien du tout. Alors, petit passage clavier, bien sûr, on ne sait pourquoi. Ah, je suis content là. Je suis content. Allez, venez. Oh, faites pas vous t'as de mieux là. J'ai l'impression que parfois ils sont plus lents. Ici, et je sais pas pourquoi ni comment. Allez, montez-moi. Voilà. Vous êtes bien obéissant, c'est bien. Deux fois. Non, c'est juste un bug audio. Ou alors un bug de mes oreilles, ça se pourrait aussi. Alors là, j'ai tenté un truc. Enfin, tenter un truc, justement, ne pas tenter un truc. Normalement, là, je monte avec grâce au mec qui me porte. Je vais pas le faire. Parce que juste après, il faut qu'il me reporte un petit peu après. Et donc, bah, le fait qu'il me porte une première fois, ça les ralentit. Et le fait qu'ils arrivent la seconde fois. Bref, on s'en fout. Là, ils sont déjà au taquet pour pouvoir être réceptifs. Attaque, m'attraper de suite. Alors que dans le second cas, ben non. Partie morbide. Mais ça, pareil, c'est un clin d'œil à référence ultra à Limbo. Le fait qu'on doit utiliser un cadavre pour continuer d'avancer. C'est clin d'œil à la rivière, clairement. Où on doit utiliser cadavre comme appui. Parce que, bien sûr, les cadavres d'un enfant, ça les os poreux. Et du coup, il faut un petit peu moins de lest. là là, référence à mes films. Qui c'est qui devinera la référence? En plus, c'est bien dans l'ambiance d'un petit peu du truc, donc ça tombe bien. Non!
Ah non, vas-y. Putain. Faites chier là les mecs. Pas la première fois que vous me faites ça. Oh là là, c'est rapide, rapide. Ok, c'est bon. Et je marche sur vos cadavres. J'ai perdu bien 5 secondes à mongoliser avec les cadavres qui me portaient. Du coup, ça sert à quoi que j'ai fait mon skip de la mort qui tue de mon nouveau skip? J'ai pas encore et mon chapeau. Ah. Pixbug. Oh non. Putain, fais chier, mec. J'ai raté un cycle. Ah, j'ai raté un cycle. Catastrophe. J'ai jamais testé, mais vaut mieux pas. Oh là là. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais. Ça passe easy. Ça passe. Ok. Oh, Mazam of Best. Oh oh. Mais Sam of Best, c'est 1h12. Haha. Et encore, je sais qu'il y a du temps à gratter quelque part. Bon, j'aimerais bien le PV cette fois-ci. Ce petit bruit quand il fait juste après. Boop. Un petit bruit de paix limite. Mais délicat.
pas le, le gros P dégueulasse quoi. Oups, peut-être un petit peu trop. Bon, un petit peu trop safe là. Eh bien, ah merde! Une seconde ou deux de perdu. Ultra battement, trompé de bouton. Plouf. Pas tomber dans l'eau, mais faut quand même être suffisamment au campec. Second balancier. Et on y va. J'aime pas ce passage. J'aime pas l'eau aussi. Mais c'est Bang Pets qui a raison. Parce qu'il y a des méchantes sirènes sous l'eau. Je le savais, moi. Alors là, il n'y a pas moyen de passer en un cycle. J'ai quelques essais. Ça paraît limite, mais... non. Il n'y a pas moyen. Passages les plus stressants du jeu, celui-là, parce que c'est ultra limité, parce que là t'es obligé de foncer directement vers la sirène quoi, limite, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, puisqu'on peut appeler ça une sirène. Ouh la putain. Vite et bien, vite et bien, mais vite surtout. Ok, j'ai pas perdu de temps, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non.
En fait, la seule perte de temps pour l'instant que j'ai eu, c'est à cause des Mudokon, qui s'appelle ça. Des Mukoden, je sais plus. Qui m'ont soulevé à un moment donné, ou je voulais pas qu'il me soulève, mais qui soulève plutôt la porte que je voulais soulever moi-même. Et que je voulais qu'il m'aide à me soulever. Elle l'a soulevé la porte, pas moi. Bref. Faut bien que je remplisse le vide, vu que là on a 2 minutes où on se la touche. Alors là en plus il y a bientôt le skip qui me fait le plus peur du jeu. Mais que ça serait vraiment sympa si je l'avais pour une fois. Ça me ferait améliorer mon Sum of Best d'au moins 7 secondes. Ce qui serait vraiment énorme. Allez. On fait gaffe à ce qu'on fait. Et tout devrait bien se passer. Allez, tombe! Ce passage, quoi. Puis en plus, après, t'es semi-passif. Allez, on y va. Ça peut passer. Oh, c'est passé. C'est passé. On se calme. Maintenant, il n'y a plus trop de difficultés.
et on contemple le temps gagné. C'est tout! Mais non. Enfin après c'est... Ouais, c'est à peu près le temps que j'espérais gagner. Et effectivement c'est... C'est... Là c'est du Sum of Best pur gagné quand même. Il faut pas oublier ça. Ce n'est point grave. Eh, la corde, les deux cordes passées en un cycle plus ce passage en un cycle, c'est excellent. Excellent. Alors là, je sais absolument plus si j'ai du... Merde. Si j'ai du temps à gagner ou pas. On verra bien de toute façon. Enfin, si je fais des erreurs, on verra pas, mais bon. Du coup, il faut pas faire d'erreurs. Comme ça, on verra. Comme ça, ça sera cool. Alors là, j'attends des squats en lumière. Je t'éve, je monte, j'appuie, et c'est bon. Droite, mais c'est le cas pour ce jeu ici. Et là, on va à l'extrême gauche. Et ouais, je suis perdu dans ma politique. Maintenant c'est pas dur, il suffit juste de pas ne faire n'importe quoi et voilà. Voilà. Mais en plus c'est sûr, ce jeu là est plus facile que Limbo, clairement. Puis Limbo à la fin les ennemis sont... particulièrement coriace pour un joueur quasi mis derrière. Allez, retourne-toi, toi. Okay. Et alors que ce jeu-là, on va dire que les énigmes sont croissantes dans la réflexion des choses. Mais en application, ben, je vois pas de difficulté supplémentaire. C'est un peu dommage. Est-ce que j'ai positionné la caisse suffisamment loin? Ok, alors je vais faire comme je fais d'habitude. Apparemment ça save pas de temps. Mais là j'ai pas encore train la méthode normale. Donc bon. Je vais pas risquer le fait de... d'être perdu dans ce que je dois faire. Là, ça doit être bon. Ouais, c'est parfait. Ceci est un truc parfaitement exécuté. Enfin, selon ma logique. Après, est-ce que ma logique est plus rapide que les autres? Je sais pas. Au début, je croyais que oui, mais finalement, je crois que non.
jusqu'à voir son ombre et presque couler avec son ombre. Comme ça, on sait qu'on est à la limite de l'eau. Oh putain! Oh putain! Oh là là! Alors, je suis désolé, j'avais peut-être plus trop parlé. C'est bientôt la fin de la run. Et je fais un temps magnifique. Je m'attendais absolument pas à faire un temps aussi magnifique. Donc vous comprendrez que... Voilà, faut que je me concentre un peu. Putain! C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé deux fois sur le bouton, je suis sûr. Merde! Bon, mais de toute façon, l'erreur est humaine. Hein. Troisième l'attarder là, je suis pas content de vous les mecs. Je ne suis pas content. Ah, il venait plus vite, encore plus vite que ça. Et là, vous pouvez faire le sprint de votre vie comme le premier là. C'est très bien toi. Les autres, c'est pas bien. Ils ont une mauvaise note. Ah non, il rattrape. Qui c'est qui va arriver premier? Bon, de toute façon, on s'en fout. Allez, portez-moi. Vous servez qu'à ça. Alors la catastrophe, je sais plus ce qu'il faut faire. Non, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était pour vous faire flipper. J'ai même plein de sueur. C'est pas pratique pour les joysticks là actuellement. Si je fais une erreur, ça sera à cause de mes mains pleines de sueur. Voilà, ça par exemple, c'était à cause de mes mains pleines de sueur. Non, je rigole. Oups. Dans ce passage quand même, il grimpe un peu comme il a l'air de ninja et tout. Alors là on attend quand même encore parce qu'il y a encore le boost de jump. En fait j'avais dit que je parlerais pas mais pourquoi je parle? Puis en plus je dis des conneries parce que ça me détend. Parce que j'ai pas mis de musique ni quoi que ce soit parce que ça me risque de me déconcentrer.
Mais par contre, parler, ça évite de penser à mon stress. Parce que là, si je parlais pas, mais je serais en mode grosse panique sur cette run et je prendrais les choses beaucoup trop sérieux. Et là, c'est là où je commencerai à faire des erreurs et je m'en serais voulu. Allez, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Bientôt on est au Human Centipede. Vous devinerez aisément pourquoi j'ai appelé le monstre comme ça. Ouais, non. Voilà. Alors là, on fait pas le con. Voilà. Il y a moyen d'aller plus vite, mais il y a moyen de se scruncher aussi. Voilà. Et là, les bras, vous allez pas m'agripper. Merde! Faites chier là. Oh mon dieu. Allez, là, c'est pas dur. Ce n'est pas dur. Juste un petit passage un peu chiant. Ou deux. Deux et demi, on va dire. Allez, dernière ligne droite. Ça marche pas. Tant pis, tant pis. On s'en fout, on avance. On se retourne et qu'on est en plein élan, on perd pas tant de temps que ça. La preuve, là, maintenant, en image. Allez, on y va. On y va. Tel un cheval en furie, le globe parcourait fièrement sa destinée. Non, tu vas pas tomber. Non, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, t'abuses. De toute façon, là, je vais attendre, les gars. Alors là, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que parfois on tombe un petit peu à gauche et plam, par exemple, on tombe un petit peu à droite. Du coup, c'est pas si cool que ça. Merde. J'arrive pas aux vitres. Franchement, je dois bosser sur les vitres. À noter pour plus tard. Oh putain! Merde! Oh! Blob! Pourquoi tu m'en veux? Je ne veux pas perdre de temps sur ce split. Vous comprendrez pourquoi très vite, enfin, à la fin du jeu. Ou alors 3 secondes. T'as le droit à 3 secondes. C'est pas grand chose, 3 secondes. Oh, putain,
ne fait pas des frayeurs comme ça. On se casse, on te laisse faire, petit employé. Voilà. Mais vu qu'on est vénère, on va pas attendre trop longtemps, donc tu te dépêches. Voilà. Très bien. Merci, petit employé. Alors là, c'est un passage chiant. Le passage de la caisse. Et de deux, j'ai perdu un poil de temps, on se dépêche. Est-ce que je tente la strat? C'est super risqué, ça, ce que je vais faire. Non, on va pas tenter, Ne tente pas. Merde! Je pense que je vais perdre plus de 3 secondes. Fais chier. En plus, ça, je sais que c'est une run que je reproduirai pas de sitôt. Et on prie très fort. Non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je sais que je suis en retard. Et de plus de 3 secondes, fichier. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai fait une erreur là. J'espère pas. Ce serait la fin de la run. Enfin, pas la fin. La fin d'un temps génialissime. Sauf qu'en fait, non. Allez. Les passages chiants sont passés. Maintenant, normalement, c'est tout free, tout bonus. Allez, on y croit. Ramène-moi la caisse plus vite que ça, plus vite que ça. Faut pas lui envie de troller, en fait. Je vais pas sub 1h12, ça fait chier. Mec, faut vraiment faire un régime. Et là, tu fonces, t'actives le mode boost et tu fonces. Je m'en fous comment tu fais, mais tu fonces. Putain, je vais perdre du temps, et ouais, ce sera pas un sub 1h12, fais chier. Ah.
Ah, 12 secondes de perdu sur le gob, j'hallucine. Ah, foutu casse. Foutu casse. Si j'avais pas perdu ces 12 secondes, je faisais un sub une heure en moins. Bon. Mais je dis ça, mais c'est quand même vraiment excellent. Je pensais pas du tout gagner plus d'une minute. J'ai fait une run vraiment très sympa. Très propre, très carré. À part sur la fin. Putain, j'étais à 1 minute 17. J'ai perdu 12 secondes, 13 secondes. Pff, c'est horrible. Mais après, du coup, je réfléchissais. Le record du monde, il a 1h11 et... Ah non, il a 1h10 et quelques, 1h10 50. Oh, comment il fait pour gagner tout ce temps? Bref, on verra ça quand il aura publié sa run. En attendant, moi je suis très très content de cette run. Je vais le publier, ça c'est certain. Et voilà. Et à partir de là, on entre dans le tryhard. Parce que là, battre une run comme celle-là... Va vraiment falloir se donner à fond. Et du coup, s'entraîner un petit peu plus au blob. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui m'a posé problème. Bon. Allez, j'enregistre l'enregistrement. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Bye.